Crème, masque, auto-bronzant. Depuis 2 ans, la vente de produits de beauté pour hommes a augmenté de près de 70%. Alors pourquoi un tel bond des ventes? Les hommes deviennent-ils des femmes comme les autres? C'est ce que l'on va voir avec nos invités du jour, à qui vous pouvez poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Et on en a 4 invités aujourd'hui. Fabien Guibal, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, vice-président du syndicat national des dermatologues vénérologues. À vos côtés, Mathieu Lemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, chef de rubrique sport et beauté pour le magazine GQ. Grégory Benoît, bonjour. Vous êtes directeur marketing international pour L'Oréal Paris Men Expert, qui est numéro 1 mondial du soin de la peau pour hommes. Et enfin, Jean-François Amadieu, bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations, auteur du poids des apparences chez Odile Jacob. Mais d'abord, avant de parler de tout ça avec vous, quel type de produits pour hommes trouve-t-on aujourd'hui dans les rayons? Combien coûte-t-il? Et qui sont les clients? Toutes les réponses dans ce reportage de 6000 de lettres. Comme tous les matins, Guillaume passe par la case salle de bain. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne va pas y rester 2 minutes. Son rituel beauté, c'est sacré. Et il y consacre 20 bonnes minutes. J'étire jusqu'aux tempes, jusqu'aux oreilles. Ça permet d'avoir un effet massant, mais également un effet liftant. Sa salle de bain est une vraie caverne d'Ali Baba, car pour lui, les soins du matin sont loin d'être barbants. Pour commencer, forcément une petite mousse à raser, pour se raser les contours de la barbe. Ensuite, on a ici une petite crème hydratante. J'ai de la cire pour les cheveux, j'ai des produits pour la barbe, puisque j'entretiens ma barbe régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, pour qu'elle soit propre, fraîche, souple, douce. Ça, c'est pour le quotidien. Mais il y a aussi les extras. Une fois par mois, Guillaume s'applique des patchs anti-cernes. J'ai un peu moins de poches sous les yeux, en principe. J'espère que ça se voit, en tout cas. Une routine beauté qui a de quoi surprendre, mais il assume complètement. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'apparence et le physique comptent beaucoup. Alors, ça ne fait pas tout, mais c'est un point important. Donc, je souhaite, moi, prendre soin de moi, de ma peau, de mes cernes, de mes cheveux. Ce tartinet de crème n'est plus tabou pour les hommes. Une étude montre qu'il n'était que 4% à utiliser des produits de beauté en 90, alors qu'aujourd'hui, il serait 50%. Nathalie Rosborski scrute les nouveaux comportements de consommateurs. Pour elle, c'est une tendance incontestable. Les hommes ont compris aujourd'hui, et toutes les CSP, toutes les catégories confondues, toutes les communautés, tous les archétypes de masculinité ont compris que la beauté, finalement, c'était devenu un prérequis dans le statut social, dans l'acceptation en fait de l'autre, et qu'aujourd'hui prendre soin de soi, c'est un marqueur aussi finalement d'une image plus positive, plus soignée. Prendre soin de soi, au fond, pour un homme, ce n'est pas juste une coquetterie. La beauté au masculin, en fait, elle se conjugue vraiment avec d'autres industries, d'autres secteurs, très proches finalement en fait des valeurs du sport, du bien-être, mais aussi de l'alimentation. Des valeurs que l'on retrouve dans le packaging des produits avec des couleurs viriles, comme le bleu ou le gris. Et surtout, un vocabulaire particulier. Impossible de parler de beauté, on préférera le mot soin. Autre exemple, on ne dit pas crème, mais gel, c'est plus masculin. Dans ce grand magasin dédié aux hommes, les produits de soins ont un rayon rien que pour eux. Mais ces messieurs osent-ils venir acheter eux-mêmes leur anti-ride? Ou bien missionnent-ils madame pour faire leur petite course? Ici, ce sont vraiment les clients, donc des hommes qui viennent acheter leurs propres soins. Puisque ce sont des gammes exclusivement pour hommes, ils sont très à l'aise pour acheter leurs produits de soins. Le top des ventes ici, les produits tout en un, qui apaisent la peau après le rasage, l'hydratent, la protègent et la raffermissent. En gros, les hommes veulent prendre soin d'eux, mais sans se prendre la tête. Et pour cela, ils sont prêts à y mettre le prix. Leurs produits coûtent quasi aussi cher que ceux des femmes. Selim vient refaire ses stocks régulièrement. Ses soins représentent quand même un beau budget. Je sais que sur les nettoyants, visage, tous les exfoliants, ça peut être du 20-25 euros. Après, un hydratant, pareil, je vais tout de suite être entre 30 et 40 euros. Et puis après, sur une crème, donc soit le fuel, soit de l'autre côté, le sérum recharge, je suis directement à 45-50 euros. Donc on arrive à une enveloppe qui... Ça peut vite aller entre 100 et 150 euros. Et ça va me durer entre un mois et demi, 2 mois. Le business de la beauté pour hommes est tellement florissant qu'aujourd'hui, on trouve même du maquillage 100% masculin. Alors Selim, tenté par l'expérience? Je sais que ça se développe, mais pour le moment, je ne suis pas prêt à franchir le cap.
Alors, Grégory Benoît, comment ont évolué les ventes de produits de beauté pour hommes chez L'Oréal ? Alors aujourd'hui, on observe un grand accroissement des ventes de produits de beauté pour hommes, de l'ordre de plus de 30% ces trois dernières années. Alors pourquoi ? À l'heure du selfie généralisé, où tout le monde se prend en photo, on a envie d'avoir se montrer sur son meilleur jour, ce qui explique en grande partie justement cette augmentation des ventes de soins pour le visage, spécifiquement dédiés pour hommes. Et sur certains produits en particulier, qu'est-ce qui marche le mieux ? Alors, vos best-sellers. Aujourd'hui, nos best-sellers en France, nous avons lancé il y a 3 ans un soin hydratant visage et barbe de 3 jours. Et là, encore une fois, c'est regardez Mathieu, vous-même Thomas. Spécial barbe de 3 jours, parce qu'elle a quoi de différent la crème ? Elle n'accroche pas le poil. Rien, c'est marqué dessus. Les poils incarnés, non ? C'est pas ça ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hommes qui ont une barbe de 3 jours ne veulent pas forcément utiliser un soin visage, parce qu'ils se disent cette image du soin visage, une bonne crème blanche qui va pouvoir éventuellement laisser des résidus sur la barbe, ça va plucher, des petits morceaux blancs. Exact. Et donc avec nos laboratoires, une équipe dédiée en cosmétique masculine, on a développé, donc vous l'avez juste là sur la table, une formule toute particulière. C'est une texture plus gel. Une texture gélifiée, aqueuse, qui va pénétrer instantanément et laisser aucun petit résidu sur la barbe, et à la fois purifier et hydrater la peau du visage. C'est vraiment un gel. Quel est le panier moyen chez vous ? Alors aujourd'hui... Aujourd'hui en France, un homme dépense en moyenne 40 euros par an pour ses produits de beauté. D'accord. On va dire, quand il y a quelques années, il dépensait à peine 25 euros. Donc on voit que c'est en train vraiment de se développer, c'est pleinement assumé. Assumer aujourd'hui de prendre soin de soi quand on est un homme. Alors c'est ça vrai, reste. Ouais. T'as regardé, hein, Fabien, c'est un marché en plein développement. C'est rien de le dire. C'est le 4e marché mondial aujourd'hui du secteur, du soin et de beauté. Bien sûr. Derrière les produits de peau pour les femmes, cheveux pour les femmes, du maquillage pour les femmes. Oui, les femmes restent quand même bien. Non, ils restent devant. Mais pour combien de temps ? On peut se le demander. Puisque le secteur... Non, mais c'est vrai. Ouais. Le secteur, il a une croissance phénoménale. C'est plus 25%, même un peu plus, près de 26% en 5 ans. Ah oui. Donc, on va tous y venir, quoi. Est-ce qu'on s'en va après ? On y vient, mais est-ce qu'après, on s'en va ? C'est un cycle. Est-ce que les hommes, quand ils vieillissent, ne finissent pas par... Les hommes, quand ils vieillissent, et les filles, quand elles vieillissent, arrêtent Facebook. On fait Facebook, et puis quand on devient à peu près grand, on arrête en général. Ouais. Et est-ce que quand on grandit, on n'arrête pas de mettre des produits pour être beau quand on commence à se regarder dans la glace et en se disant soit c'est foutu, soit un jour, je suis habitué. Je m'y suis habitué, ça va, je m'aime. Donc je vais arrêter. Mathieu Le Mans sur cette question. C'est peut-être encore un peu tôt, en fait, parce que c'est le début de la comète, quoi. Donc on y vient, et encore, on n'a pas. Alors quelques chiffres dans l'industrie, mais. Concrètement, on a très peu de chiffres, on ne sait pas quelle tendance marche. On sait quand même quels sont les produits fétiches, non ? On connaît les produits fétiches, les produits de base, mais après sur les. Et donc, c'est quoi ? C'est des produits hydratants ? C'est des produits hydratants, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit, par rapport à l'intérêt de nos lecteurs, par exemple, la question de la barbe, mais la question du poil en règle générale. Le poil est déterminante. C'est les questions qui reviennent. Et au point d'aller jusqu'à l'épilation et tout ça. L'épilation, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on taille, qu'est-ce qu'on épile, avec les dangers que ça peut supposer. Et vous voyez peut-être de quoi je parle. Pas de poil. Et c'est là où je renvoie au dermatologue qui, visiblement, assiste à des scènes nouvelles. Ah bon ? Racontez-nous. En tout cas, ce que j'observe, c'est que donc on fait déshabiller les gens systématiquement, même s'ils viennent pour des pellicules, on leur demande de se déshabiller. Et j'observe que la majorité des hommes, et ceci, tout âge confondu, sont épilés ou rasés. Et ça, c'est très récent, en moins de 5 ans. Tout le monde, non, parce que. Tout prend un peu de temps, mais de plus en plus, tellement que je le remarque. C'est-à-dire sur le torse, sous les bras aussi, ça se fait de plus en plus. Le torse essentiellement et en dessous de la ceinture. D'accord. Systématique. Ah oui. Ça, c'est devenu une pratique. Alors là, je vais me tourner vers mon collègue de gauche. Moi, j'ai lu que ça venait initialement de l'imagerie de la pornographie. Que l'épilation partait de là et ensuite diffusait dans le reste de la société. Alors Jean-François Mathieu, sociologue. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas la seule explication, parce qu'il y en a une deuxième qui est très importante pour tous les produits que vous commercialisez, c'est le fait qu'on chasse tout ce qui est naturel. Voilà. Donc tout, la sudation, les imperfections de la peau, on chasse tout ce qui pourrait signifier le vieillissement. Mmh. Et il est certain, comme on valorise la beauté jeune, quand vous êtes jeune, vous avez moins de poils. Donc tout ce qui signifie le vieillissement, toutes les imperfections
sur la peau, par exemple, bon, etc., sont rejetés. Ouais. Donc le poil en fait partie. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Donc je suis d'accord sur la pornographie, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a des effets de mode qui viennent beaucoup, en effet, de cet univers. Plus généralement, tous ceux qui vont lancer la mode. Évidemment, dans le culte du corps, il y a le fait que qui est leader dans les milieux de la publicité, dans les magazines, etc., dans les la mode en général. Et donc, ces communautés lancent clairement aussi un certain nombre de modes, et pas seulement le cinéma et la pornographie. Et les sportifs. Et les sportifs, exactement. Nous, on l'observe beaucoup aujourd'hui, les footballeurs, par exemple, qui sont la grande image aussi de cette virilité, la performance, le sport. Mais qui sont très soignés. Très soignés, exactement. Très bien. Souvent le torse épilé, les aisselles épilées, qui est aussi une grande tendance émergente. Les cyclistes, bien entendu, pour les jambes, peuvent avoir une grosse barbe, mais aisselles entretenues, le torse entretenu. Ouais. C'est pour ça que ces nouveaux modèles de virilité. On comprend que les magazines aient beaucoup de questions sur ça, parce que c'est très, très subtil et très compliqué, puisqu'à la fois, il faut quelques signes de virilité, donc effectivement la barbe de 3 jours, mais pas trop. Et pour le reste, on est épilé, ce qui est quand même surréaliste. Enfin, il faut un équilibre très très compliqué. Et je comprends qu'il faille beaucoup. Et plus le tatouage. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes s'y sont mis finalement? Parce que ça, avant tout ce que vous nous avez décrit là, cette course, cette chasse aux imperfections et à l'âge, c'était plutôt les femmes qui avaient commencé. Enfin, Bien sûr. Lutter les stigmates du vieillissement, etc. La première raison, si vous voulez, c'est une féminisation d'ensemble de nos sociétés qu'on connaît très très bien. Tous les pays développés, c'est vraiment mécanique. Dès lors que le pouvoir d'achat, si vous voulez, se développe, les sociétés se féminisent. C'est le rapport à la vitesse, on va moins vite, on veut pas polluer, on va chercher ses enfants le matin avant d'aller travailler, ou on va les chercher le soir. Non, si vous voulez, c'est des valeurs féminines. Des valeurs féminines, d'aller chercher son enfant le matin. Si, parce qu'au départ, on considère. Au départ, on part d'univers dans lesquels, en effet, les femmes se consacraient aux tâches effectivement domestiques et pas les hommes. À partir du moment où, effectivement, c'est ça qu'on appelle la féminisation de société dans son ensemble. C'est pour ça que depuis longtemps, c'est aperçu que les hommes s'étaient mis également à la mode, ils s'intéressaient aux vêtements, ce marché s'est développé avant même celui du cosmétique. Donc, si vous voulez, ça, c'est le premier. Puis le deuxième phénomène, c'est que les hommes sont jugés dans leur vie en général et dans les aspects essentiels, désormais sur leur apparence, ce qui n'était pas le cas avant. C'était les femmes qui étaient jugées sur leur beauté. Aujourd'hui, c'est les hommes au boulot. Donc, à ce moment-là, pour les hommes, ça devient de plus en plus important comme critère. Oui, c'est pas seulement sur les selfies et pour séduire. C'est sûr que les hommes refont leur vie et jusqu'à un âge avancé. Et aussi pour réussir. Mais c'est pour le boulot. Enfin, je voudrais juste donner une indication, enfin un chiffre. Aujourd'hui, pour les demandeurs d'emploi interrogés par le défenseur des droits, le motif numéro un de discrimination des victimes, c'est l'apparence. C'est tout. C'est numéro un. Donc, dans la vie de n'importe quel homme, c'est important. On ne peut pas. On va revenir aux explications. Une autre explication. Dans une autre vie, j'ai fait du marketing pour des produits cosmétiques. Parfait. Avant de revenir. Une casquette en plus sur ce plateau, c'est parfait. Vous en manquez. Et j'ai été fasciné, parce que je venais d'un univers médical où je pensais qu'il y avait des choses objectives et que la réalité était faite de choses objectives, essentiellement. Et je me suis aperçu qu'on pouvait apprendre aux gens, même leur prescrire, comment se regarder ce qui était utile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, dans le passé, les adolescents utilisaient un déodorant uniquement au niveau des aisselles. Ouais. Vous avez dû remarquer qu'il y a des pubs où vous voyez des jeunes gens qui sont en train, on se demande ce qu'ils sont en train de désodoriser. Donc, c'est pas à la maison. Mais vous vendez des déodorants intégrales. On est bien d'accord. Et comment font nos ados maintenant? Eh bien, ils sont comme ça. Ça se perd. Où est-ce qu'ils ont appris? En regardant la télévision. C'est dangereux, ça, d'ailleurs, ou pas? Dangereux. D'un point de vue dermatologique. Non, inutile. Enfin, si je le mets dans l'œil, ça ne va pas être pratique. Et dans les oreilles, ça ne sert à rien. Et en plus, au bout d'un moment, c'est trop concentré. Mais pas utile, vous nous dites. Non, complètement inutile. Et alors, parce qu'ils se parfument, là. Ils sont pas en train d'utiliser un déodorant. Ils sont en train, finalement, de se parfumer avec une odeur. On aime ou on n'aime pas, mais bon. Et sur le plan dermatologique, les hommes, est-ce qu'ils ont besoin de produits ciblés sur la peau autant que les femmes? Besoin de manière objective, non. De manière subjective, on est en train de leur apprendre. D'accord. Et c'est au moins aussi important, je pense. Et est-ce que c'est un problème d'utiliser les crèmes de sa femme? J'utilise les crèmes de ma femme, nous dit Eric. C'est pareil, non? Ça pose pas exactement problème. La même chose. C'est du gras. Une crème, c'est du gras. Vous mettez un peu d'eau dedans ou un peu d'eau en moins, un peu d'eau à l'extérieur ou un peu d'eau à l'intérieur. Mais la peau n'est pas exactement la même quand même, mes femmes. Alors, la peau masculine, elle est un peu plus épaisse, elle est un peu moins sèche, elle est entre guillemets, un peu plus résistante d'une manière générale. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne va pas avoir la peau. Elle est aussi plus agressée. Effectivement, le rasage est une agression que les peaux féminines, en dehors des gens, mais maintenant, elles ne se rasent plus puisqu'elles s'épilent au laser. Et les hommes y viennent d'ailleurs, pour revenir aux pratiques. Ah oui, il y a de plus en plus d'hommes qui... Sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Et ça fait mal, c'est pareil.
Ah, le laser, oui. Y compris sur le visage. C'est dangereux. Oui, mais ça a un côté cathartique. Le fait de souffrir pour être beau, on est encore plus content de, quand on sort de là. Il s'épile quoi? Il s'épile le visage aussi Les jambes et le dos. Les jambes et le dos. Le dos, surtout. Le dos surtout. Et après, les pratiques changent. Après, on revient au petit bassin, comme on dit. Ouais. Alors, s'il n'y a pas de différence homme-femme, à quoi ça sert de vendre des produits dédiés aux hommes? Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de différence. Il y a de vraies différences. D'abord, dans ce qu'attendent les hommes aujourd'hui pour des produits qui sont de plus en plus spécifiques. Et justement, tout notre travail avec la force des laboratoires Nous L'Oréal sur les produits L'Oréal Paris Men Expert. Mais avant de parler de marketing, c'est vraiment le secret dans la formule. En fait, ce qu'on travaille aujourd'hui, pour avoir des soins visage destinés aux hommes, ça passe d'abord par la texture, un vrai travail de la texture, des textures plus aqueuses, plus fraîches, qui pénètrent plus vite, parce que les hommes n'aiment pas passer du temps à se masser devant le miroir, à travers le parfum. Des parfums, voilà. Beaucoup plus fort que celui des femmes. On a eu une remarque là-dessus qui nous dit ça sent vraiment très fort les produits pour hommes par rapport qui sont souvent des notes qui sentent le propre, qui sentent le frais, ce qu'aiment bien les hommes aujourd'hui. Et enfin, après la texture et le parfum, c'est l'emballage, le packaging, où on prémâche le travail de la cosmétique pour hommes. Ouais. C'est juste dosé, une pression, vous avez la bonne dose à appliquer. Alors, est-ce que les produits féminins sont tout de même plus chers, 4% en moyenne plus chers? Pourquoi? C'est parce que les femmes sont prêtes à dépenser plus? Avant d'abord la différence produit pour homme, produit pour femme, il y a les différents circuits dans lesquels les produits sont vendus, il y a le poids des marques, il y a la concentration des actifs, il y a énormément de critères qui rentrent en jeu pour déterminer justement le bon prix d'un produit pour homme ou pour femme. Alors vous allez voir que certains hommes assument complètement leur envie de prendre soin d'eux, ils sont prêts à dépenser beaucoup pour leur beauté, c'est ce qu'on a pu constater dans un institut de beauté exclusivement dédié aux hommes à Paris. C'est un reportage de Sybille Delettre. Un institut pour hommes, voilà à quoi ça ressemble. Au rez-de-chaussée, une boutique aux couleurs sombres, où le mot « beauté » a été banni. Et pour les soins, ça se passe au sous-sol. Ici, on propose massage, soins et même épilation. La cabine a été spécialement aménagée pour accueillir ces messieurs. Dans notre institut, on a une très belle table d'esthétique qu'on a fait faire sur mesure. Et on a voulu en fait que l'homme se sente vraiment à l'aise, qu'il n'ait pas un bras qui tombe sur le côté, qu'il ne cherche pas à mettre ses pieds un petit peu en dehors du bout de la table. Voilà, c'est une table qui fait 2,10 m sur 90 de large. Donc on est sur un vrai lit là. Et dans ce temple de la beauté, des soins pour hommes, Elisabeth a pensé à tout pour sa clientèle. Les messieurs aiment bien venir après le travail. Ils ont des agendas et des plannings surbookés. Et de savoir qu'en sortant du bureau à 19h ou de leur atelier à 19h, ils peuvent venir se faire faire un soin, ça c'est un plus tout de même. Voilà, c'est hyper important de s'adapter un peu à leur rythme. Et c'est ce qu'on a fait dès le départ. Vous serez heureuse d'apprendre, mesdames, que le vôtre de planning est bien plus léger. Mais bon, passons. Mario est architecte et surtout habitué des lieux. Ce quadra urbain chouchoute sa peau le plus possible. J'habite Paris. C'est une ville polluée. Je peux commencer à 7h30 du matin et terminer en fait ma journée de travail à 11h du soir. Donc je dois faire beaucoup plus d'attention pour pouvoir rester présentable. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il assume. J'appartiens en fait à une génération où le soin lui-même n'a aucune influence directe ou indirecte en fait sur ma virilité. Donc ça ne me pose aucun souci. Ici l'esthéticienne est lui aussi un homme, évidemment. Bonjour monsieur, je suis Stéphane, c'est moi qui vais s'occuper de vous. Parfait. Vous installer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais commencer par un nettoyage de peau. Ensuite, on va faire un gommage. Ensuite, on aura une phase de massage du visage et une phase de masque. Et pour ce soin, pas question d'utiliser les mêmes produits que pour madame. Les produits spécifiques pour hommes sont un peu plus riches en actifs parce que la peau de l'homme est un peu plus épaisse que celle de la femme. Il faut que les actifs puissent pénétrer un peu plus fort. Le massage est lui aussi très tonique. Selon Stéphane, ça marcherait encore mieux comme ça. Après une heure de détente et de crème, alors Mario, comment se sent-on? Comme un autre homme. Une heure après, ressourcé, révigoré. Revigoré, certes, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça fait 90 euros. À peu près comme pour madame, donc, ce qui n'empêchera pas Mario de revenir dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Et à très bientôt.
Jean-François Amadieu, on le voit, Mario, il dit ça remet pas du tout en cause ma virilité. C'est une évolution forte, ça, dans la société, non? Parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas forcément dit ça pour un homme qui va dans un institut de beauté. Oui, mais d'un autre côté, il suffit d'écouter les conversations entre hommes, ils vont pas parler de ça. Donc personne ne va oser aborder ces sujets. On va parler de foot ou d'autres choses, ouais. Mais on va jamais parler des produits cosmétiques, du fait qu'on est allé dans un institut de beauté. Par ailleurs, je souhaite bonne chance pour le moment à un homme qui se pointerait à un entretien de recrutement et qui aurait, je sais pas, utilisé un eyeliner ou que sais-je, ou qui aurait, dont on verrait qu'il s'est maquillé. On en parlait au début de l'émission. Voilà, donc il aurait un aspect qui serait considéré comme féminin et c'est inassumable. Vous donc, pensez quand pas même, que ça va arriver, ça J'ai une idée, si, mais pas tout de suite. Temps pour influencer, ça va mettre un certain temps. Ça, voilà, ça, voilà exactement. Ça peut mettre, mais ça va mettre un certain temps. Voilà. Ouais. En fait, c'est très corrélé à l'âge, et vous aviez raison. C'est très lié à l'âge. Je me souviens d'avoir fait un sondage sur ça, et en fait, on s'aperçoit que, par exemple, par rapport aux tatouages, aux piercings, etc., on s'aperçoit que plus on est âgé, moins on accepte, on trouve normal ce type de pratique. Donc évidemment, comme c'est lié effectivement à l'âge, tout simplement, il va falloir un certain temps... Un renouvellement de génération. Et que les plus anciens qui décident, par exemple, dans un entretien d'embauche, c'est souvent un plus ancien qui est face à un plus jeune, donc il faut qu'il accepte, voilà. Ouais. C'est pas tout de suite. Qui est entré dans un institut de beauté Moi, plusieurs fois, j'y vais régulièrement. Et c'est particulier, mais ça, alors c'est lié à ma profession sans doute, mais je le faisais déjà avant que ce soit une de mes casquettes au magazine, donc c'est qu'il y avait quelque chose. Vous faites des soins, des massages? Soins, massages, spa, je fais au moins une cure en thalasso par an. Mais ça c'est par rapport au sport, etc. Mais en fait, là où je me suis rendu compte que pendant longtemps ça a été... entre guillemets, sans vouloir faire des phrases, mais cacher ce soin que je ne saurais voir, alors que maintenant, on a vraiment l'impression que, comme on disait, ça ne vient pas dans les sujets de conversation, mais si implicitement on fait comprendre qu'on ne le fait pas, on est quand même un peu mis de côté en disant, tiens, mais alors, toi, tu ne le fais pas. Donc, c'est vrai que pour l'instant, la parole s'est peut-être pas encore libérée. Justement, comment vous faites, Grégory Benoît, pour faire en sorte que les hommes achètent vos produits en se sentant en même temps suffisamment viril? Est-ce qu'il y a des astuces marketing pour ça, notamment dans les termes, dans les mots choisis? Exactement, dans le choix des mots. Typiquement, quand je vous parlais tout à l'heure du soin visage et barbe de 3 jours, le fait d'adresser un produit soin visage et barbe de 3 jours, forcément, c'est pas un produit qui peut être destiné également à la femme. Moi, j'espère. Et donc, bien entendu, l'homme tout de suite se sent pleinement. Ne serait-ce que le terme de soin, d'ailleurs, vous n'utilisez pas le terme de crème alors que c'est une crème. Alors là, celui-ci, c'est un gel. Celui-ci, c'est un gel. Mais il n'y a jamais le mot crème sur les produits pour hommes. Très rarement. Les hommes préfèrent justement des gels, des textures plus fraîches. Donc soit on englobe sous le mot soin, le terme générique pour savoir de quoi on parle, soit bien sûr on les appelle gel hydratant ou crème. Ça va être plus pour des produits, on va dire, anti-âge, où souvent c'est un peu plus riche pour la peau. Mais les hommes... en général, sans vouloir caricaturer, pardon, n'aime pas les crèmes. Mais parce que vous savez que votre wording, il va fonctionner que les mots que vous choisissez. Les mots que vous choisissez. Vous savez qu'il va fonctionner que s'il y a la dimension pratique avant la dimension esthétique. Exactement. Et la dimension, c'est pas que je fasse une fixation. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. On médicalise. On médicalise le discours pour le rendre de moins en moins naturel. Et ce qui sent fort n'est pas propre. C'est ça. Ce qui n'est pas propre, ça va contre la civilisation. En tout cas, en médicalisant, on se détache de tout ce qui est incarnation. Et le soin, c'est un terme aussi qui va dans ce sens-là. Gérard ? Mais moi, il y a une chose qui me fascine, parce que je fais partie d'une génération qui n'est pas du tout naturelle pour ce qu'on mange, pour les produits bio, etc., mais qui est naturelle pour le corps. Moi, je suis d'une génération... Savon de Marseille. Voilà, au savon de Marseille, pour faire simple. Et c'est la question que je voulais poser. Comment vous expliquez cette aversion qu'à la fois la société soit de plus en plus pour ce qui est naturel, mais pas pour la beauté? Oui, c'est vrai que vous avez parfaitement raison. C'est une sorte de paradoxe où à la fois on cherche sans arrêt et on affiche toujours qu'on veut plus de naturel, mais c'est contredit par tous nos comportements. On va passer notre temps à faire, je sais pas, de la chirurgie esthétique, à multiplier les produits, à falsifier, à traficoter nos photos. On passe notre temps et de façon de plus en plus professionnelle à être dans le mensonge par rapport à notre apparence, par exemple. Et puis, dans le même temps, afficher
chez beaucoup de naturels. Et quand vous prenez toutes les enquêtes, je ne sais pas chez les hommes, mais chez les femmes, par exemple, elles disent toujours « je suis naturel, je suis moi-même ». Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, je suis naturel, et d'ailleurs, j'ai tout, je suis comme ça. Avec voilà, bien sûr. Et voilà, avec c'est juste pour… Avec des bouches comme ça, des canards. Mais... Et on est dans le déni complet, et c'est assez, assez étonnant. Grégory Benoît, pour finir, ce sera quoi les innovations demain? On parlait tout à l'heure de maquillage pour les hommes. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez déjà? Parce qu'on peut voir de l'anti-cerne, par exemple, il y a certains hommes qui s'en mettent. Alors aujourd'hui, le maquillage en tant que tel, et là je parle pour la France, c'est un marché qui existe, mais de manière très confidentielle. En revanche, c'est une autre manière de parler de maquillage, parce que ça n'en est pas du tout. Les hommes sont très consommateurs de soins, ce qu'on appelle ces soins effet bonne mine. Oui. Ça, les hommes adorent. Oui, c'est du maquillage, en fait. Ce qui est amusant de voir, par exemple, chez nous, même si aujourd'hui, le geste de soin visage est de plus en plus assumé par les hommes, c'est que typiquement, notre soin auto-bronzant, soin effet bonne mine ça, pour ça hommes. Ouais. Ça marche très bien. Ça va être une crème teintée avec des exactement. Réflecteurs de lumière. Exactement. Ça marche surtout en vente e-commerce. C'est l'un de nos best-sellers. On n'assume pas de l'acheter, on regarde. Il y a quelques petits produits, ce qu'on s'amuse à appeler chez nous en interne les produits de la honte. Encore, ce sont nos meilleures ventes sur Internet et pas forcément en magasin. Mais en tout cas, toujours est-il que les hommes sont très consommateurs de ces soins effets bonne mine. Ouais. Parce qu'on a envie. Et la démarche en magasin, elle est... Enfin, moi, ça m'arrive franchement de me poser dans une enseigne dont je ne donnerai pas le nom, mais, et de regarder un peu ce qui se passe, quoi. Et c'est vrai qu'il y a plus... Les hommes qui sont habitués, c'est facile, ils vont directement, ils ont leurs produits, c'est leur référence, paf, ils y vont. Ceux qui sont timides, ils y vont un peu. Et moi, j'ai l'impression de voir des adolescents qui vont à la pharmacie pour la première fois. Ils m'ont acheté des boîtes de préservatifs. Il y a un petit côté. Ils plombent dans le caddie sous la salade. J'ai ça. Alors, vous savez pourquoi c'est écrit dessus. Mais si vous pouviez éviter de le dire, voilà. Parce qu'on c'est nous regarde. C'est pour un bon ami à moi. Et ça, et je pense que ça existe encore. Et c'est pour ça qu'on a aussi tous ces artifices de... vocabulaire. Pas de wording, de vocabulaire, voilà. autour du packaging, etc. D'accord. Parce que c'est pas encore vraiment dans il y a encore un peu de chemin au niveau technique, alors qu'en fait, on en a tous envie. C'est ça qui est paradoxal. Ben alors, assumez, messieurs, ce sera peut-être un premier conseil qu'on pourra vous donner. Voici les autres. D'abord, commencez par consulter un dermatologue afin de connaître votre type de peau, vos besoins et donc éviter une mauvaise utilisation de vos produits cosmétiques. Et puis, on l'a dit plusieurs fois, la peau des hommes est un peu plus épaisse, plus grasse, donc moins sensible que celle des femmes. L'utilisation de produits pour femmes est possible, mais un peu moins adaptée. Commencez petit à petit et à petit prix. Le premier geste adopté, c'est d'appliquer un soin hydratant quotidien, privilégier les basiques et éviter des produits trop spécifiques. Ça risque de ne rester qu'un achat compulsif. Ouais, et puis le prix n'est pas forcément un gage d'efficacité. Hein. En revanche, il a été prouvé qu'appliquer un produit de luxe vous procurera plus de plaisir. Merci. C'est absolument magnifique et ça marche pour tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est cher que c'est mieux, mais parce que c'est cher, ça donne plus de plaisir. Ouais. Ça se voit très bien et dans un cerveau. C'est comme les montres, elles donnent toute l'heure. C'est comme les vélos. C'est bien, c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à Pauline Mann qui nous a aidé à préparer ce dossier.